représente la fiche client. Et ici, vous mettez l'identité du client, de quel type de client il s'agit, c'est un client comptant, crédit simple, facturation immédiate. Comme vous pouvez le voir, vous avez la définition. Ici, vous mettez l'adresse, par exemple, de facturation. Vous pouvez également mettre une adresse de livraison. Concernant le règlement, il y a plusieurs modes de paiement, comme vous pouvez le voir. Il y a les échéances de facturation qui peuvent se faire à la fin du mois et les échéances de règlement. Une partie caution, si par exemple le client vous laisse un chèque de 200 euros, vous l'inscrivez ici. Une partie crédit, par exemple un plafond que le client ne doit pas dépasser, qui est ici par exemple de 400 euros. Dans divers, vous mettez un message, par exemple lui demander de venir me voir. Lorsque le caissier va sélectionner ce client, ce message va apparaître sur la liste des ventes et il n'y aura plus d'oubli.